Salut tout le monde, bienvenue. Alors j'ai le retour s'il te plaît. Merci, bienvenue dans enfin avec les bleus les gars, le petit magazine sur le mondial. On est parti hein, en stream jusqu'à 20h et quelques, puisqu'après il y aura, vous le voyez, c'est indiqué à ma gauche, l'eFootball Club. Yo tout le monde, salut Nex, salut Dylan Pato, salut Pouyol, Yurk. J'espère que vous êtes en forme les gars. Je vais monter un peu le live comme ça, hop, on vous voit en plus gros, c'est bien, hop, c'est mieux. Et bah voilà, vous le voyez, le sommaire sur ce live, ça va être d'abord un petit retour sur Belgique-Inde. C'est le match de cette semaine, les Bleus n'ont pas joué de toute façon, et c'était assez sympa à suivre hein. Hier, Misa était même ici même dans ce studio pour suivre tout ça. On va revenir sur ce match en compagnie de notre invité, joueur de l'équipe de la sélection belge, Tikos. Bonsoir à tous. Ça va, la forme? Ça va, merci, et toi? Ouais, dis-nous, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien de spécial. Et ben voilà, et ben écoute, tu vas rien faire de spécial, mais avec nous, on salue CIV eSport aussi qui nous rejoint, et NV Tarch. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des followers vers 18h quand genre personne n'était sur le live. Il y a Beverly et, comment il s'appelle, Slayer qui nous a follow. Merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Donc, on va pas te frapper Tikos quand même. Comment tu as vécu toi ces deux matchs hier face à l'Inde? Match aller, en vrai, ça, c'était assez lourd le jeu. Après, on a été surpris par leur jeu. Et au phase retour, bah, c'était beaucoup plus fluide. On a joué notre jeu et tout s'est bien passé. Ouais, c'est vrai que c'était un match aller difficile à négocier. Alors, on attend Misa aussi hein, qui va nous rejoindre et peut-être Yestude. Il y a N'Golo qui demande si c'est Tikos ou Jordan Pickford qui est avec nous. C'est Tikos. Ouais, c'est vrai que t'as joué gardien vendredi dans la draft des postes, une activité UEFA Weekend qui était bien sympathique. Et on remercie quelqu'un pour le follow, on remercie 31scooter31. Voilà, c'est un pseudo comme un autre. Et vous êtes bientôt 1100, hein, vous vous rendez compte à quelle vitesse ça va. C'est exceptionnel. Donc, on va regarder un petit peu ce match-là. Alors, on va clairement le regarder ensemble. Il y aura les commentaires dessus et tout. Ça va être sale, hein, je vous le dis. Et puis, bah écoute, sinon, on met pas les commentaires, on le regarde ensemble. D'ailleurs, je t'invite à consulter le partage d'écran. Et ce qu'on fait, si tu veux bien, c'est qu'on le commente ensemble. Alors, il faut que je te partage le bon écran, voilà. Et on se met un petit peu le match aller pour commencer. On va retirer le son. Et on va basculer sur le bon écran, comme ça vous allez pouvoir voir aussi. Salut à Sino qui nous a rejoint, à Akamo également. Ouais, vous savez, hein, c'est ici que ça se passe là ce soir pour tout savoir sur cette semaine. Alors, hop, je vous mets le match. Ça y est, tu vois bien Tikos? Ouais, c'est bon. Eh ben écoute, go. Donc, l'Inde a affronté la Belgique. Bon, une première mi-temps où vous avez quand même... des occasions. Enfin, moi, ce que je vous ai reproché sur ce match, c'est de trop aller sur les côtés. Est-ce que tu partages ou pas? Après, c'est une compo faite comme ça. Hein. On joue en 3-4-2-1, donc c'est beaucoup. Après, le problème, c'est que je trouve qu'on a été trop vite de l'avant. Des fois, on aurait pu se poser le jeu, etc. C'est pas une équipe qui pressait beaucoup. Mais après, on a joué beaucoup de l'avant et ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais, alors le premier but, il arrive vers quand il est vers... Il est pas à la mi-temps, hein, de toute façon, la mi-temps, on va voir les stats là. Il y avait une frappe pour vos adversaires et vous, rien du tout. Donc assez triste hein, comme match. Et si on avance un petit peu, on va... Voilà, c'était juste après la mi-temps. D'ailleurs, vous avez un bon retour mi-temps, je crois, avec quelques occasions. Il y a une grosse occasion pour vous, je crois, juste avant. Hein. Je sais pas si c'est pas sur le match... C'est peut-être sur le match aller, je crois. Hein. Non ? Plus. Alors, on va revoir le but déjà. Alors, on va voir le but des Indiens. Donc, c'est leur première attaque du match. Ça saccade un peu, j'ai l'impression. Ouais, ça bug beaucoup. Et ouais, le but ici de Haroun, hein, je crois. Donc, vous êtes déjà en mauvaise position. Et si on avance un peu. Après, il y a eu un 0 score final. Hein, donc, on va pas se passer de masse de choses non plus. Après, je pense qu'il y a Dylan qui fait un poteau sur ce match, si je me rappelle bien. Non, je crois que c'est au début du deuxième. Bah, vous savez quoi, on va aller voir le deuxième rapidement, du coup. Donc ça, c'est les Belges. Pour l'instant, si on fait le point sur la situation des Belges, c'est 9 points
savoir qu'on va miser ici. 9 points, hein, c'est ça? Je pense qu'on a fait 4 matchs et c'est 2 victoires, 2 défaites, non? Bah vous avez gagné en tout cas ouais, une fois face à l'Inde et une fois face à l'Égypte. Ouais. À donc 6 points. Et on a perdu. Ouais, ouais. On a 6 perdu points, ouais. Pas de match nul encore. Une défaite face à l'Italie et une défaite face à l'Inde, si on fait le récap. Ouais, donc ça. Là, on va cette case, hein, vraiment sympa. Et ouais, bah ouais, c'est cool. Il vous reste 2 matchs à négocier. Bon, au moins prendre 3 points, vous allez recevoir en plus. Hein. Ouais, c'est ça. On reçoit l'Égypte et l'Italie. Bah, après l'Italie, c'est. C'est costaud. Ouais, c'est sûr. Alors. Ah non, c'est bon. Donc on vient de voir ici le premier but hein, de l'Inde. C'est vrai que c'était assez... Ben, on s'y attendait Mais pas oui. en fait. C'est toujours comme ça avec la Belgique. On se met jamais... C'est toujours en deuxième mi-temps en vrai qu'on se montre. Vous êtes C'est une équipe pareil à réaction? Ouais, bah regarde l'Égypte, on perdait 2-0 je pense, et on vient 3-2, mais seulement en deuxième mi-temps. On dirait on dort tout le temps la première mi-temps. Et après, bon, ça allait un peu mieux. Ah, peut-être là, le but de... Non, bon, là, ça Voilà, bug, je hein, on va pense, pas oui, c'est là le s'attarder. poteau. Ouais. Oui, c'est là le poteau qui est belle. Ah, un bel arrêt aussi, hein, ouais. Et le gardien qui était pas mauvais, gardien de l'Inde, on le salue. Ouais, il a fait des belles paroles. Yes. Alors, ouais, Dita qui dit on a bug tout le match. En effet, ça devait pas être simple. Salut à Démonique. Et dites-moi comment vous avez vécu ça, comment vous avez vu ça, là, vous les viewers dans le live, si c'était propre ou pas. Nous, ça buguait un peu, donc dites-nous un peu comment ça s'est passé. Sinon, je t'enlève le partage et puis on se fait ça à l'arrache. Hein, tu regarderas sur le live. Ce sera peut-être mieux. On va essayer ça. Allez, donc le match suivant, c'est quoi? Bon, on devait avoir quelqu'un pour les Bleus, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Ils dorment un peu sur place, là, les Bleus, on va pas se mentir. Ils ont une semaine de repos, du coup, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller voir les buts internationaux bientôt, les gars. Je peux vous le dire, il y a Misa qui va arriver d'une seconde à l'autre. Juste Dylan qui veut savoir pourquoi tu perds trop de ballons. Non, il n'y a pas de réponse. Non, pas de donner de réponse. Eh ben écoute, pas de réponse, c'est comme ça, les gars. Vous avez qu'à venir en live, c'est Tico qui a le pouvoir. ouais, réponds. Non, les gars, il répondra pas. Non, après, Tico qui a fait une bonne perf. D'ailleurs, c'est le mercato, là, en ce moment, les gars. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire ou pas? Comment tu le vis, toi, ce mercato? Bah, pas beaucoup de rebondissements, hein, par rapport au premier mercato, où il y a vraiment... Il y a eu beaucoup de départs ici. Ça... Bah, je sais pas. T'as pas des vérités de départ de ton côté, non? Chez nous, non, je pense pas qu'il y a eu des départs au SPTK. Ok, bah écoutez, tant mieux alors, hein, vous êtes une bonne équipe, donc pourvu que ça continue. Jesse qui est en train d'halluciner, qui est pas de français, bah écoute, Jesse, t'as qu'à venir toi. On prend. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, les amis, sur tout ça? Mais sur la Belgique, non, mais de toute façon, l'objectif, je pense, c'est au moins de passer les poules, et puis derrière, je sais pas, c'est quoi l'objectif? Ah bah, c'est d'aller le plus loin possible, hein. Je pense, on est capable, donc bon. En espérant on aille loin. Ouais, bah ouais. On va regarder un petit peu les résultats. D'ailleurs, est-ce que tu penses pas que vous êtes dans le groupe de la mort quand... Je vais vous montrer ça, les gars. Vous allez voir, c'est un truc un peu de fou, le groupe de la Belgique. Hop, il est là. On a l'Italie, la Belgique, l'Égypte et l'Inde. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a 64 équipes, je veux dire. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus abordables de ce fait. Ouais. Ouais, non c'est, bon, t'es pas trop au courant, du coup. Bah pour moi, après, je pense qu'il n'y a que l'Italie qui est vraiment redoutable dans le groupe. Les autres, je pense qu'ils sont graves à notre portée, donc... Ouais. Ça va. Niveau terme de jeu, après l'Egypte, c'est full profondeur. Si tu recules, ils n'ont pas énormément d'occasions. Mm-hmm. L'Inde, pareil. Après l'Italie, bah, c'est une équipe qui se connaissent depuis un bon moment avec Italian Tigers. Donc, pour moi, ça va être le plus costaud, je pense. Ok, ok. Alors, on va regarder un petit peu les groupes rapidement avec des résultats aussi que tu nous as compilés d'ailleurs. Merci pour ça, il y a des beaux buts, on va aller se balader un peu. Tu me diras un peu, est-ce que tu as vu des commentateurs des fois ou pas? Oui, pour l'Indonésie, j'ai vu. L'Indonésie? Donc on va se taire sur l'Indonésie alors, puisqu'il y aura des commentateurs.
On va regarder le groupe hein, ici. C'est Portugal, Thaïlande, Tunisie, Malaisie. Et pour l'instant, alors c'est les Portugais et les Thaïlandais. Là, ils ont 7 buts, 7 points chacun. La Tunisie est en embuscade. Hein, c'est encore possible. Sauf que le Portugal a que 3 matchs joués et 7 points. Donc, ça va falloir se battre avec la Thaïlande. En gros, on va pas se mentir. Ça va être pas simple pour nos amis tunisiens, mais faut encore y croire. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit but de ce groupe 1? On va essayer de faire comme ça. Portugal-Tunisie, voilà, on a un but à vous offrir, les gars, c'est Wow. magnifique. Il y en a deux, je pense, parce qu'il y a la phase retour aussi. Alors, je vous le mets là. Donc, c'est les Tunisiens à l'attaque là. On va baisser un peu. Oh, ça va, il est bien baissé. Et un petit but. Qui fait plaisir devant 32 viewers, hein, donc c'est un but tunisien, donc il y a eu 1-1 au match où le Portugal recevait, donc c'est un bon coup ça pour les Tunisiens, c'est pas mal d'aller battre, d'aller chercher un point à l'extérieur, et non, je... Oui, si, il y a le match aller, on va vous offrir aussi le premier match. Alors je sais pas du coup qui était à l'extérieur ou pas, parce qu'ils s'appellent tous les deux Portugal, non, donc voilà, là c'est le Portugal à domicile, et donc la Ouais, c'est Tunisie le a fait Portugal à 1-1 à domicile. l'extérieur, donc c'est pas un bon coup. Et on va regarder un petit peu Xhora ici, le... Attaquant portugais pour Silveira, ouais, c'était un beau but. Devant 58 personnes aussi, c'était un beau match. Il y avait du monde qui regardait ce Portugal-Tunisie. Donc 4 points pour les Portugais, un seul point pour les Tunisiens. Allez, on va enchaîner avec le groupe 2, celui de la Belgique, on l'a déjà vu. Alors est-ce qu'on a peut-être un peu de l'Italie à vous montrer? Italie-Inde, je crois. Oui, Italie, Inde. Alors il est là, le beau clip. Compilé par notre cher Ticos. Et en tout cas, dites-nous hein, si vous kiffez ou pas voir tout ça, tous ces petits buts là, qui nous viennent de partout à travers le monde. Et alors là, il y a un commentateur, c'est ça? Non, c'est Ah. l'Indonésie. Ah oui, pardon. Parce Je que sais je me plus disais, c'est on contre. n'entendait pas. Et donc, c'est le but de Harbour là pour l'Italie. 2-0. Victoire solide. Bon, toi qui as joué les Indiens, après, voilà, oui, les Indiens, ça t'étonne pas, quoi, ce résultat, au final. Non, les Italiens par contre, c'est assez costaud. Ils s'entendent bien, ils sont assez fluides dans leur jeu. Bien sûr, j'ai tout entendu de ta réponse, puisque je me suis barré. Je vais chercher mon tel pour avoir le live, parce que j'ai plus l'accès au chat, du coup, c'est dommage. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, faut mettre à jour en plus. Oh, les relous. Donc, on a vu ce magnifique résultat. Voilà tout pour le groupe B avec l'Italie et la Belgique qui sont vraiment en bonne position. Groupe numéro 3, c'est celui de la France. Donc là, c'est pas passé grand-chose. On n'a pas de vidéo à vous offrir, mais on va regarder un petit peu les résultats quand même. Donc 1-1 entre l'USA et la France, ça c'était la semaine dernière. Oman-Israël, voilà. 7-0. Et ensuite Israël, je crois qu'ils ne jouent plus depuis. Hein. Il y a eu un petit problème, donc ils sont disqualifiés. Et la France a gagné 3-0. USA-Oman, on attend ce match. On attend ce USA-Oman. Et ensuite le groupe sera considéré comme clos. Voilà. Oman-France, il y a eu les résultats. Hein. 2-1 pour la France et 4-0, c'est ça. Et 1-0 entre Israël et Oman, donc ça c'est un forfait, je crois. Donc voilà. Ils ont juste un USA. Oman, afin de clôturer ce groupe numéro 3, le groupe des Bleus, qu'on retrouvera bientôt. Groupe 4, c'est l'Espagne, la Bosnie, le Soudan et la Colombie. L'Espagne qui est en train de défoncer un peu tout le monde. Voilà. Je ne sais pas s'il y a bien beaucoup de choses à dire sur ce groupe. Non, j'ai rien trouvé sur eux. Hein. Ouais, ils sont... On sait juste que c'est l'Espagne qui va gagner à la fin. Alors, allez, je vais mettre le chat, les gars, comme ça on peut réagir avec vous. C'est vrai que c'est pas très moderne tout ça, hein, de pas réagir avec vous. Vous êtes une cinquantaine hein, pour ce mondial-là, pour ce Mac du mondial, c'est cool. Il est 18h50, on va se bouger le cul. Groupe 5, Irlande, Panama, Croatie et la Corée du Sud. Et c'est l'Irlande qui se met vraiment bien. 6 points, 4 points pour le Panama, ça a l'air tout tracé. Et on a Croatie-Panama à vous offrir. Ça alors. Donc c'est les Croates qui reçoivent là et qui viennent prendre un but, si j'ai bien compris. Panama qui vient égaliser, je pense. Ouais, c'est ça. Belle frappe, hein. Solide du côté du Panama et le Panama qui était à l'extérieur. Donc score final 1-1. Pas très bonne opération pour la Croatie. Qui pourtant
Ouais, non, ils sont pas hyper bien, hein. Si on regarde les résultats, l'Irlande a gagné, la Croatie fait un match nul face au Panama, donc ça c'est le match qu'on a vu. Il va falloir qu'ils aillent jouer l'Irlande en fait, les Croates, s'ils veulent avoir une petite chance, là faut aller bousculer l'Irlande. L'Irlande, ça c'est costaud aussi, non? Ouais, c'est sûr. C'est beaucoup de joueurs de VPG Premium, etc., qui se connaissent. Donc, je pense que ça va être compliqué d'aller bouger l'Irlande. Et donc on a du monde qui parle, c'est bien les gars. Donc, on va enchaîner avec Norvège qui est très solide. Est-ce qu'on a un petit but, un petit truc là, histoire de se mettre sous la dent des beaux matchs internationaux? Je ne vois pas. Non, je ne pense pas. Donc groupe bien maîtrisé. Attention le Maroc hein, qui s'en sort pas, c'est dommage. Groupe de l'Allemagne, bah c'est très bon pour les Allemands, ils sont premiers avec 6 points, il y a l'Équateur, tout ça, c'est cool. Bon bah voilà, je n'ai pas spécialement d'Allemagne à vous montrer, on les verra de toute façon dans les phases finales les Allemands. Ensuite le Kosovo, Salvador et l'Angleterre. Bah c'est bien. C'est bien puisque c'est une surprise, hein. L'Angleterre, bon après ils n'ont pas rentré de résultats, donc on peut pas trop se prononcer sur ce groupe en fait. On attend d'en savoir plus. Faudrait peut-être rentrer les résultats, quoi. C'est ouf quand même, puisque les Anglais, c'est un peu les organisateurs quelque part, et les mecs rentrent même pas les résultats. Je pense qu'ils ont seulement affiché leur liste des joueurs hier. Donc je sais même pas Ah s'ils ouais, vont ils ont fait jouer. ça. Ouais. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Brésil, Chypre, Hongrie, Irak, bah c'est les Brésiliens qui pour l'instant se dégagent, mais il y a très peu de matchs joués aussi. Mais bon, avantage aux Brésiliens quand même. On n'a pas un but de Chypre. Ah, il y avait un Panama-Croatie qu'on a raté, c'est pas grave. Non, je vois pas de Chypre, je croyais. Non. Allez, l'Algérie qui pour l'instant démarre très bien, avec 9 points, le Danemark est deuxième, Cuba et Azerbaïdjan, ensuite ce groupe qu'on avait suivi hein, déjà. Et donc, si on regarde un peu les résultats des Algériens, c'est une victoire 3-2 face à l'Azerbaïdjan. Et ensuite, 3-1. 3-1 pour le Danemark. 3-1 pour l'Algérie face au Danemark, pardon. Donc, ouais, c'était la semaine dernière, je crois, et c'était bien joué, finement joué par nos amis algériens. Ah, je pense que ça va passer pour eux, hein. Franchement, ils ont l'air bien embarqués. Ensuite, Japon, Kurdistan, Autriche et Libye. C'est un groupe ça qu'on aime suivre puisqu'il y a beaucoup de monde qui le regarde. Et on va regarder un petit peu. Alors, Ah, Australie, ouais, d'accord, c'est l'Australie que tu as. J'ai cru que c'était l'Autriche, j'ai confondu. On n'a rien sur l'Autriche? Si je pense. Si je pense, je vais regarder. Ah, je vois Malte, Honduras. Non, je vois pas l'Autriche, merde. Bon, tant pis. Donc on voit de son un groupe avec le Japon quand même qui fait pas beaucoup parler de lui à côté du Kurdistan ou de l'Autriche mais qui a 9 points. Kyrgyzstan, ça c'est un pays, je connaissais pas. Mexique, Singapour et Jamaïque. Donc c'est le Kyrgyzstan qui a 10 points. Tout va bien pour eux avec le Mexique, ça devrait passer. Avoir quand même la petite remontada de Singapour. L'Australie, là on a des vidéos. L'Australie face à la Russie. Alors que le Luxembourg a 9 points aussi, hein, comme quoi, du côté du Luxembourg, il y a des bons joueurs. Yassine Ziak me dit j'ai mangé des chypres tout à l'heure. Ah, commentateur, on se tait, on va écouter. On se le remet, juste pour écouter le commentateur, Ah oui. voilà. C'est russe ça, hein. Oui, c'était Ouais, des Russes qui... et donc il a pris un 5-0, quoi, le russe. Hein, c'est pour ça qu'il est pas ouf. Il n'est pas enjoué, le gars, c'est normal. Mais peut-être qu'au match aller, au final, ils ont réussi à avoir un meilleur résultat puisqu'ils étaient à domicile. Ah, il est plus enjoué déjà. Da. Voilà, il est chaud notre ami. Comment ça, on n'entend pas les commentaires, les gars? Vous deviez les entendre normalement, là. Ou alors, j'ai un petit problème de son. Ce qui est aussi possible. Tant pis, les gars, on vous l'offrira la semaine prochaine au pire. Alors, on a vu ce groupe, on va enchaîner avec Malte. On a des images de Malte, il ne nous reste plus que deux groupes à voir, les gars. Bientôt la fin de ce petit Malte, c'était pas magazine. mal aussi. J'ai regardé leur script, ça joue pas mal. Ah Après, je sais ouais? pas si c'est avec leur... je sais pas si c'est avec leur connexion, mais Il y a Malte ils qui étaient ont fluides 6 et... points avec la Saudi-Arabia. Allez, c'est parti, Ouais, on j'ai... regarde. Oh là.
Ouais, joli but. Donc Malte qui a étriqué le Honduras 6-0 en termes de coup, en même temps, ça devait être sympa. Et on a un deuxième match, hein, je crois, de Malte. Et salut à tous, salut! Enculé de merde. Salut Misa, j'ai un problème de son là, tu me pètes les oreilles. Eh ouais, comme d'habitude, pour pas changer, je t'ai écrit un petit message. Attends, je te propose de nous mettre un petit son de fond là. Les, je peux pas, j'ai du taf, désolé. Et magnifique but. Là, de nos amis. Nos amis de Malte encore, je crois. Hein. Ouais. Je te fais perdre, ah, je te fais perdre le fil, Tatane. D'accord. Ouais, je suis focus, je peux pas. Donc, on enchaîne avec le groupe 15, la Finlande et le Pays de Galles, la Hollande et Myanmar. Bon voilà, ça se passe bien pour les Finlandais, hein, ils font leur petit chemin, 9 points sur 9, donc c'est cool, c'est pas mal. Ouais ouais, il vous a cassé les oreilles aussi, d'accord, bon bah je vais baisser le son de Misa, mais là on est focus sur cette World Cup qui nous passionne. Dernier groupe, il y a... ouais je sais pas si on a tout vu, mais c'est pas grave. Dernier groupe, tout simplement, c'est l'Écosse, pardon, qui s'en sort bien avec 6 points sur 6, le Liban, c'est pas mal, et la Roumanie. Qu'est-ce qu'on a comme résultat ici? Tac, tac, tac. 2-0 pour l'Écosse. Et ensuite, ils ont gagné 2-1 face à la Roumanie. Ouais, donc ils ont gagné la Moldavie aussi. L'Écosse qui va se qualifier sans problème, je pense. Et ce sera sympa à suivre tout ça. Donc voilà, un petit peu pour tous ces groupes VPG. Et au final, dans les équipes francophones, bah, il y a la France et la Belgique. Et les autres, j'ai envie de dire. Hein, ça se passe pas très bien. L'Algérie aussi, pardon. L'Algérie aussi. Voilà. Indonésie, je crois, on l'a pas vu. Il y avait un petit commentateur, là, on se le met juste pour écouter, comme ça. Non, les Indonésiens, ils étaient commentés. On écoute. Par une chaîne, je sais pas c'était quoi. Yaaah, masih bisa diambil oleh pemain Irlandia Utara. Masih ada masalah dengan gol saja dari Hugo. Voilà, c'était sympa, ils ont gagné... non, ils ont perdu 2-0. J'espère qu'ils étaient irlandais, les commentateurs, mais ils étaient bien. Ok, voilà les gars, c'est la fin de cette petite émission sur le Mondial, on a vu un petit peu tout ça. La suite, c'est quoi? Ça va être le week-end prochain, les Belges, ils vont jouer hein, le week-end prochain. Les Bleus ne joueront sûrement pas, l'Algérie risque de jouer. Donc, il y a moyen qu'on suive ça à travers un petit live, voilà, soyez là. C'est le cousin de Madan, c'est marrant ça, c'est drôle ça. Très bien. Ouais, ça fait rire, oui, ça fait rire. Le live avec moi. Ok, les gars, c'était tout pour ce petit Mac du Mondial. C'est l'eFootball Club qui arrive tout de suite. On va essayer de pas couper. On se retrouve là, dans 2 minutes, quoi. Bougez pas. Je vais vous dire 2-3 minutes. On se met une petite musique et tout. On kiffe et on revient. On va essayer de paramétrer tout ce qu'il faut pour l'eFootball Club. Et c'est parti! À moins que Misak, bien sûr, un mot à dire sur... Est-ce que tu kiffes cette VPG Ligue des Champions Mondiale, Misa? Ouais, alors est-ce que tu m'as réglé le micro? Oui, bah oui, bah bien sûr, je t'aurais pas fait la parole sinon. Nickel. Ben là, la VPG Coupe du Monde, là, on est en phase de poule, hein. C'est pas très, 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 très passionnant encore, mais ça permet de découvrir de nouvelles équipes, de nouveaux pays, donc ça reste quand même intéressant, mais on se languit quand même les phases finales et les matchs décisifs, là où tout peut basculer. On va vous faire vivre, bien sûr, toutes ces rencontres, en tout cas pour les équipes francophones, sur le Twitch eSport FA, le samedi, généralement. Ok, bah merci Misa, on va se retrouver juste après du coup, merci à Tikos pour les clips aussi, on a bien vu, on a fait le tour de tout ça et c'était cool, donc je vous dis à tout de suite, ne bougez pas et ramenez du monde sur le live les gars, 57, ramenez du monde, on fait péter un gros live avec la régalade, Misa il a prévu un nouveau quiz en plus, j'attends qu'il l'envoie, ça va être assez cool, et je vous dis à tout de suite, on bouge pas, on revient en mode EFC.